Nami est enceinte de Luffy. Chapitre 3. Le deuxième mois. Le bateau était immobile. Seules les quelques vagues de la mer faisaient tanguer le navire. Le soleil s'était levé depuis déjà un très bon moment. Mais sur le navire, personne n'avait le courage de se lever pour aller en ville chercher un médecin pour Nami. Parce que comme vous le savez, elle doit impérativement prendre son premier rendez-vous pour une consultation concernant une première échographie. Étant donné que Chopper, il avait pas mal terre pour cela, ils se sont dit qu'ils allaient s'arrêter à la première île venue. Sanji, exaspéré par le comportement des autres, a décidé de se porter volontaire pour accompagner son amour perdu dans sa quête. Ils quittèrent tous deux le bateau avant même le réveil de tout le personnel. Les deux jeunes Nakama marchèrent dans la ville, regardant à droite et à gauche s'il n'y avait pas un médecin qui pouvait se trouver à l'horizon. Après plus d'une demi-heure de recherche intensive, ils trouvèrent enfin le cabinet d'un médecin. Il a dit qu'il serait prêt à les recevoir dès maintenant, et qu'en plus il avait justement le matériel pour pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions. Après quelques minutes d'attente, les deux personnes entrèrent dans la salle avec le docteur qui les accueillit gentiment. Le médecin fit allonger Nami sur un fauteuil et déposa une sorte de gelée transparente sur son ventre qui fit sursauter la demoiselle. Quelques secondes plus tard, on pouvait voir sur le petit écran une toute petite chose assez laide qui était reliée à un cordon ombilical. Suite à ça, Sanji se sentit ému, lui qui pourtant n'était pas le père, avec une petite larme sur les yeux devant ce petit être qui aurait pu être, hélas, son fils. Sans vraiment s'en rendre compte, il prit la main de Nami qui sourit en resserrant ses doigts avec ceux de Sanji. Ayant terminé, le médecin retira la glu et fit piller Nami qui, pour une fois, ne dit rien et paya. Tout au long du trajet, les deux pirates ne dirent pas un mot. Mais sans qu'ils ne s'en rendent compte, ils n'avaient pas arrêté de se tenir la main. Au bateau, Luffy ne semblait pas avoir remarqué qu'il manquait sa petite amie. Il mangeait comme d'habitude, sans se soucier de quoi que ce soit. Robin, quant à elle, lisait son livre, tout en jetant un petit regard discret à Luffy. Afin de voir s'il se rendait compte de la disparition entre guillemets soudaine de sa petite amie. Elle releva son regard en voyant arriver les deux pirates absents depuis le début de l'après-midi et elle ne put empêcher de remarquer un petit détail. Luffy releva la tête quant à lui et resta un moment choqué de voir ces deux Nakama aussi proches et surtout très complices. Pour la première fois, il ressentit une émotion nouvelle qu'il n'avait jamais ressenti tout au long de sa vie. C'était comme de la colère, mais pas tellement. C'était comme de la frustration, mais pas tellement. C'était quelque chose de différent, mais Luffy n'arrivait pas à mettre un mot concernant cette émotion soudaine qui l'a envahi pour la première fois. Ne voulant pas rester sans bouger, il leur sourit et leur proposa de la viande, ce qu'ils refaisèrent poliment. Ils ont décidé de partir tous deux de leur côté près d'un arbre pour rester un peu seuls et continuer leur discussion en paix. Le futur roi des pirates resta un moment, il les a regardés partir et il a posé son morceau de viande. Et vous connaissez Luffy, hein? Poser un morceau de viande, c'est pas quelque chose qu'on peut voir souvent le concernant. Robin, quant à elle, décida d'intervenir à ce moment-là. Luffy, ça va? Demanda Robin en s'asseyant sur la table. Je sais pas trop, répondit Luffy. C'est à cause de l'arrivée de Nami et Sanji. Hein. Oui, j'ai pas trop aimé la façon dont ils se tenaient la main. J'ai une drôle de sensation à ce moment-là. Je pense savoir ce qu'il y a, Luffy. T'es jaloux. Jaloux? Eh, c'est grave, je vais mourir! Mais non, gros bêta. C'est juste que tu tiens un ami et l'avoir si proche de quelqu'un d'autre. Ça te plaît forcément pas. Surtout en plus si c'est un homme et qui plus est, Sanji, un de tes plus fidèles Nakama. À partir de ce moment-là, le sang du capitaine ne fit qu'un tour. Et pourtant, il n'avait pas utilisé le gear second. Il partit dans la direction que venaient de prendre ses deux amis et il ne savait pas encore ce qu'il allait leur dire et surtout quoi faire. Mais en tout cas, une chose est sûre, il voulait pas les laisser une seconde de plus tous les deux. Le jeune pirate s'arrêta derrière un grand arbre et écouta discrètement leur discussion.
une discussion qui semble être assez tendue, d'après ce que Luffy pouvait voir, mais finalement, il n'en était rien. Puisque je vais vous présenter leur discussion, la voici. Merci Sanji d'être venu avec moi, je suis content d'avoir vécu ça avec toi, Surinami. Moi aussi je suis content, depuis que t'es avec Luffy, j'ai remarqué qu'on passe de moins en moins de temps ensemble, et je me sens vraiment triste à l'idée de te perdre. Après ces mots, un silence s'installa. Deux ou trois secondes plus tard, qui paraissait finalement pour ces deux personnages une éternité, fit sortir une réponse de la part de Nami. Et donnant l'air de rien, Nami répondit « Ah, je m'étais pas rendu compte que ça te faisait autant de peine. Je ferai attention maintenant », dit-elle en enlaçant le jeune cuisinier. Luffy, choqué, ne dit rien et ne fit rien. Il partit la tête baissée dans sa loge et il prit soin de fermer à clé. Et se bien décidé à ne plus sortir avant un bon moment. Robin, qui suivait la scène, soupira en souriant et se demanda comment allait terminer cette histoire. Mais elle ne put s'empêcher d'avoir quelques peurs sur le comportement parfois excessif de son capitaine. Il est peut-être si naïf et si impulsif qu'il pourrait détruire son couple, mais par la même occasion, l'équipage. Et ça, sans qu'il ne s'en rende compte. J'ai hâte de voir la suite de toute cette histoire, souria-t-elle. Quelle histoire ? Demanda Zoro qui se trouvait derrière elle. Oh, rien, t'en fais pas, dit Robin en continuant sa lecture. Et bien voilà, ce troisième chapitre est terminé, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Je suis vraiment content parce que je kiffe faire ce type de format. J'ai l'impression que ce format te plaît parce que ce soit sur TikTok, sur YouTube et sur tous les réseaux où j'ai pu partager justement ces fanfictions, j'ai que des bons retours, il y a beaucoup de partages, beaucoup de likes, beaucoup de personnes aussi qui s'abonnent, donc je tiens vraiment à te remercier. Je sais les amis, à chaque fois je reçois des messages en me demandant la suite. Mais vous inquiétez pas, je vous prépare le chapitre 4. Voilà, comme ça vous savez. Moi comme d'habitude, je compte sur vous pour vous abonner, c'est vraiment important. À activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines sorties. À me suivre sur tous les réseaux sociaux. À me soutenir sur Tipeee en me donnant 1 ou 2 euros. Ça me permettrait d'investir sur la chaîne et ça me ferait vraiment plaisir. Moi en tout cas, je te souhaite une bonne journée, une bonne matinée ou une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. En tout cas, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana !